Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour tester The Mise à Jour. Je ne suis pas avec mes acolytes puisqu'ils sont malades ou occupés ou pas sur le jeu. Enfin bref. Je suis toute seule mais on va quand même s'amuser, j'espère. J'espère. Ok, je vais arrêter de faire la chèvre et on va tout de suite y aller. Alors, j'ai déjà une critique à faire. On peut pas emmener son cheval. Enfin en fait j'en sais rien. On verra bien. La mise à jour sera sûrement un peu plus longue. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as remarqué la fleur. C'est une récompense pour tout le travail, blablabla. Bla bla. Ah, ça. En fait, j'ai la flemme de lire, parce que quand je suis toute seule, bah, c'est beaucoup moins drôle de lire. Il parle à Clémentine. Clémentine! Clémentine! Clémentine, le monsieur de la sécurité veut te pécho. Ah oui, alors, c'est trop bien. On perd les cœurs en chocolat auprès de Clémentine. Je peux pas me les donner, cette gourdasse. C'est bon, monsieur, Clémentine accepte d'être pécho. Eh, par contre, ça, c'est trop beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette carte magnifique. Ça me fait trop penser à SimCity pour les plus anciens. C'est trop beau. Alors, l'heure est venue d'explorer Jorvik City. Chaque fois que tu quittes le centre commercial ou que tu prends le bus en dehors de Fort Pinta, la carte s'affiche. Chaque fois que tu voyages entre deux zones, la carte s'affiche, blablabla, pour que tu puisses choisir l'endroit. D'accord, et ben on va y aller. Iris, where are you? Place d'Eden. Et c'est super grand, les gars. J'espère qu'on pourra y arriver autrement que par le bus, parce que c'est grave dommage, je trouve. Là, il y a des morues. Les pauvres filles, quoi, rien demandé. Bien sûr, je n'insulte personne, hein, c'est pour rire. Ah, madame, en fait, il y a le garde de sécurité du centre commercial qui veut vous pécho. Bonjour, bonjour. Eh ben, je sais pas. Oh, elle est jolie. Ouah, tu m'as vraiment prise par surprise. Il est adorable. Oh my god, tu crois qu'il m'aime bien? Oh putain. Mais cette question, tu crois qu'il m'aime bien? Mais va lui demander, tu verras bien, grognasse. Oh. Alors, je suis bien trop timide, blablabla. Bla bla. Oui, bah la timidité, ça se soigne. Hein. C'est moi qui dis ça. Oh mais c'est sérieux? Faut que je retourne voir le bonhomme? Oh putain, ils vont me gonfler les amoureux, là. Ah bon, mais c'est pas à lui qu'il faut parler. Eh bien, j'ai rien compris, alors. Hein. Faut juste parler aux gens. Bonjour! Salut, Yvonne! Oh, Yvonne, qu'est-ce que t'es conne... Pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Repeins le mur. Oh, mais non, mais il est trop beau, ce graffiti, laisse-le. Moi, j'aime bien. Pff, aucun goût, les gens. Aucun goût. J'adore, il est beau. Enfin, il était du coup. Dis donc, on le nettoie vite, hein, si c'était aussi rapide en vraie vie. C'est mieux ainsi. Bah, t'as pas de goût, mon rue. Voilà. Mais faut que je repeigne où, là? Ah, bah, c'était là. Ah non, faut que j'enlève les autres graffitis. D'accord. Bah, ça, c'est moche, par exemple. Ça, ok. Alors, pourquoi ils ont dit repeindre? Ça me perturbe, leur traduction approximative. Alors, repeins le graffiti du café. Mais elle va nous saouler longtemps avec ses graffitis. Moru. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah. On a retrouvé le pédobire. Oh là là, faut tirer la chariote. C'est plein de petites mouches sympathiques. Dis donc, la table qui est à côté de la poubelle, c'est sympa ça. Eh mais c'est super beau. D'ailleurs, j'ai pas vu la meuf avec la lyre. Je sais pas si vous avez fait... Les missions de l'histoire. Mais sachez que quand vous êtes niveau 16, si vous avez, enfin niveau 16, peut-être même 17 maintenant, si vous avez bien fait toutes vos réputations avec Golden et Gardien d'Eden et compagnie, cette lyre aura une importance. Voilà, je vais pas trop vous spoil, mais je me rappelle que quand j'ai fait cette partie, c'était un moment magique, et c'est le cas de le dire, et c'était trop cool d'ailleurs. Ok, donc c'est bon, donc j'ai fini avec Yvonne. Bizarrement, la ville est très très belle, les textures sont très belles, mais il y a moins de magie que quand c'était Epona ou la vallée du Dino, je sais pas. Peut-être parce que c'est une ville et que moi les villes, voilà. Après c'est très beau, hein. Mais c'est que mon avis, donc ça vaut ce que ça vaut. Du coup, qu'est-ce qu'il veut lui? Parle avec Johanna, d'accord. Tu peux pas lui parler, elle est en face de toi, du con, va. Du con la chaussette, on va l'appeler comme ça, lui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, on s'en fout de vos vies. Oh! Cherchez une corde. Ah! Bah oui, c'était juste là. Je fais tout le tour de la ville pour un truc qui est juste à côté de C. C'est bon, j'ai trouvé ta corde, tu peux te suicider.
Ah, faut le suivre. Oh putain, puis ils sont lents. Ah non, d'accord. Blablabla. Attache la corde autour du canapé. Mais c'est une. C'est. D'accord. Et je vais tirer le canapé toute seule. Ah non, j'ai eu peur. Ça m'apprendra à pas lire. Ok, comment je fais pour aller là-haut? Ah non, c'est bon. Ce fichu canapé ne passe pas au travers de la fenêtre. Bah oui, hein. Ton plan était génial. Nous avons tout essayé. J'abandonne. Nous devrons. Ah, ils viennent d'emménager. Ok. Des petits amoureux qui viennent de déménager. Chut, du gouverneur. Oui. Est-ce qu'il y a des quêtes? S'il vous plaît, des quêtes. J'espère qu'il y a un coiffeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un coiffeur. Oui! Pardon. Bah, celle-là, par contre, elle est super belle, donc je vais la prendre. Et vous savez quoi? Allez, je suis une fille folle. Je me suis là. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ça va trop bien ensemble. Je kiffe! Bref. Mais je suis quand même déçue parce que bon. Je préférais qu'ils rajoutent des coiffures plutôt que des vêtements toutes les semaines là. Alors, il y a quoi là-dedans? Opening soon. Mais attendez. Eh mais c'est un truc de meuble ça, non? Ou ce sera peut-être un café, je sais pas. Alors, attention, ce que je vais dire, c'est une hypothèse. Ça veut dire que ça n'arrivera certainement pas. Mais vous imaginez, ça se trouve, le truc ouvrira jamais. Hein. C'est juste écrit coming soon, histoire de faire de la déco. Mais si il ouvre et qu'il vend des meubles, ça se trouve, ce sera pour faire ses maisons ou je sais pas quoi. Je suis sûre qu'ils vont finir par en faire. J'y crois. J'ai foi en Star Stable. Je sais pas, ce serait trop cool. Je me crois trop dans les Sims, moi. Non, bah attendez, je vais mettre une tenue de ville. Oh! Donc du coup, je vais prendre la jupe. Juste pour jouer un peu RP. Tada! Oh, elle est trop bonne! T'es trop bonne, Olivia! Où est la troisième boutique? On m'avait dit qu'il y avait une troisième boutique. Ah, blazer de compétition. C'est pour ça que c'est pas mon style. Ouais. Ah, mais c'est truc d'équitation. Ouais, c'est pas mal. Ils sont beaux, les chapeaux. Les gants. Les gants, ils sont sympas aussi. Mais je vous avouerai que j'ai pas envie de prendre des nouvelles tenues. Bon, bah voilà, on a fait le tour ici. Et je crois qu'il y avait un monsieur ou une dame ou je sais pas trop quoi. Et enfin, il y avait un mec avec une quête là-bas. Bah oui. Lol. Bla 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 bla. Sers-toi de l'appareil photo pour photographier l'intérieur de la boutique de glace de Leonardo. Voilà, donc je. Mais non, bouge pas, je prenais tes fesses. Je prenais ta petite culotte en photo, mamzelle. Oui. Alors, ah, je me suis emboîtée avec une autre damoiselle. Désolée. Par contre, madame, t'as gâché la photo avec ta tenue. Oh, c'est méchant. C'est méchant. Je ne pense pas ce que je dis, hein. C'est juste pour la déconne, je m'en fous. Alors, remplis une éprouvette. D'accord, fallait se mettre pile poil là. Oui. Où est le dernier? Bah oui, mais merci. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Joue de la musique. Ok. Pour que les glaces, je ne sais pas, je préfère pas savoir. J'ai fini du coup? Bon, bah j'ai fini. C'est quoi comme haut? Oh, trop classe! Ça fait trop Madame le professeur, hein! Oh, c'est énorme! Bon, excuse-moi, madame. Alors, quai numéro 13. Ah bah ça change d'ambiance, on n'a pas spécialement envie d'y aller. Bonjour. Il y a quelqu'un ici? Youhou! Granny Chou! Là-bas! Salut beau gosse. Récupère 3 des balances à écrevisse. Voilà, j'ai fini. Si elle pouvait ne pas retomber dans... L'eau, morue! Ça fait 3 fois que je me tape aller-retour. Et il y a mon chat qui miaule parce que c'est un pauvre malheureux. Voilà, monsieur, j'ai vos casiers tout pourris. Alors, mets en place 3 balances. Alors, franchement, si c'est aussi relou que les enlever, très peu pour moi. Ah, là-bas. Il y a des mouettes. Et de 3. 3. Voilà, monsieur. J'ai fini. Alors, va chercher baril d'acier. Ah, c'est dégueulasse! Ah. Berk, ça m'a fait peur en plus. J'ai encore un item à utiliser dans le futur.
Ça me casse les couilles. J'ai plus rien à faire. Ah, faut aller à Sudoven. Bon, on se retrouve à Sudoven. Oh, froufrou, on est arrivé, ma belle. Un cookie à ceux qui trouvent la référence. Qu'est-ce qui trouve l'ordinateur d'Eric? Il était là. Depuis le début, ok. Parle avec Oli. Ok, super. J'ai pas lu ce qu'il fallait faire. On polie les planches de surf. Par contre, elles me paraissent très petites comme planches de surf. Ah, il y a trop de gens. Allez vous coucher, les enfants. Il est tard. Vous avez école demain. Enfin bref, aide au lit à appliquer la cire. Didadidada. Encore un coup, non? Parler avec Eric. C'est déjà ça. Oula. Oli disparaît en un clin d'œil avec ses planches de surf. C'était utile de nous faire un fond du noir pour ça. Jonas? Oui? Va chercher les œufs dans le poulailler. Où est le poulailler? Il est là. Il veut qu'on lui fasse une omelette aussi? Je te jure. Par là, Eric. Bon, ça va, c'était pas trop long. Non, mais. Comment ça me saoulait les gens à se foutre sur le bonhomme? On va voir la nazie là. Alors, bonjour, madame. Vous me faites chier, madame. Une, deux. Ouais, je pousse la caisse. Alors, tout à l'heure, c'est un sac qui est devenu une caisse. Tout va bien. Voilà, c'est fait, morue. Rends-toi à la porcherie. Ce serait bien s'ils pouvaient faire un truc en fait que quand on s'approche des PNJ que ça masque les joueurs. Ça, ce serait vraiment bien. Ok. Allez, on retourne voir l'ermite. Parle avec l'ermite. Blablabla. Examine le journal. Lis l'article. Donc, c'était Café de la Harpe, Monsieur Anduir et Karl. J'ai la flemme de lire. Dis à Eric que Madison s'est enfui. Est-ce que c'est vraiment utile de faire une animation pour ça, quoi? Oh, d'ailleurs, j'ai refait. Enfin, je joue aussi avec mon deuxième compte des fois. Oui, et bah évidemment, elle a oublié son téléphone. Et j'en suis au moment où il y a un combat de boxe avec Ricky. Putain, mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce qu'on se fait chier. Oh my godness. Oh, ce serait cool si on pouvait passer ces saloperies de cinématiques. Chevauche jusqu'au ferry. J'espère que t'es bien accroché, Eric. Mon cheval avance à rien, c'est génial. Allez! Dommage. Hein? Au revoir! Ah bah voilà, il y a une horloge. Donc bah je ferai la suite tranquillou gilou demain. Alors, ce que j'en ai pensé, la nouvelle région est très jolie, mais je vois pas trop ce que ça apporte. Je suis désolée, hein, mais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi dans les commentaires, parce que moi je suis mitigée. Après, c'est peut-être parce que je suis fatiguée, je sais pas. Et que j'ai pas lu aussi, mais. Sinon, il y a des la nouvelle coiffure là est sympa, il y a le nouveau du maquillage sympa aussi. C'est dommage qu'ils n'en aient pas mis beaucoup plus de nouveaux. Les fringues sont sympas aussi, mais bon, bah les fringues. Et par contre, tous ces items relous là qui sont dans mon inventaire, ça va vite me saouler. Surtout qu'on peut pas les bouger de place, j'en connais qui vont criser. Bref, j'espère que mon let's play vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et salut!